Grâce aux efforts de Ranmaru et d'autres officiers fidèles, Nobunaga réussit à tromper la mort à Onoji. Mitsuhide passa une alliance avec le clan Tokugawa et tenta une fois de plus d'éliminer son ancien seigneur. L'armée Oda affronta la nouvelle alliance à Anegawa. La bataille d'Anegawa. Dès que j'ai vu la bataille d'Anegawa, après Onoji, j'ai senti qu'il allait y avoir une grosse guénesse. Le seigneur Mitsuhide qui s'allie à... Ieyasu ! Bravo ! Franchement, bravo. Ça va loin dans la sauce, quand même. Hein. Notre objectif est de vaincre Mitsuhide Akechi et Ieyasu Tokugawa. Nous perdrons si Nobunaga est vaincu. Alors, avec nous, Nobunaga Oda, Nobutada Oda, Nobumori Sakuma, Ranmaru Mori, Toshiie Maeda, Katsuye Shibata, Nagahide Niwa. Contre nous, Ieyasu Tokugawa, Masanobu Honda, Kazumasa Ishikawa, Masamune Date, Kojuro Katakura, Shigezane Date, il est daté carrément, Keiji Maeda, Toshimitsu Saito, Masachika Matsuda, Nobuharu Tsuda, Tadatsugu Sakai, Mototada Torii, Yasumasa Sakakibara, Naomasa Ii. Ok. Il va y avoir deux embranchements, mais je sais pas si je vais, si ça va être facile de faire un truc pratique pour vous montrer les deux. Je sais pas trop comment je peux m'y prendre. On va voir. Hein. Je sais pas si je vous montrerai les deux. Je sais pas si ça vaudra le coup. Mais... On a dit Mitsuhide. Il a dit que personne ne voulait vivre sous son commandement. Comme c'est mignon. Ranmaru, toi seul me protégeras. Le seigneur Mitsuhide est absent. Mais je sais qu'il viendra. Quand il arrivera, je... le tuerai ? Serais-je vraiment capable ? Ah, il faut ce qu'il faut, hein, Ranmaru. Bon. Il faut aider Nagahide Nagahide Niwa qui se trouve isolé. C'est quand même la grosse guénesse, cette alliance Akechi Tokugawa. Comment Ieyasu a pu accepter, vous saviez, à Mitsuhide? Est-ce que ça aurait été possible, en vrai? J'ai un doute là-dessus, quand même. Officier ennemi éliminé. Impressionnant. Ok, la porte est fermée. Impossible de l'ouvrir. Faut faire le tour par la petite rivière là-bas. Les ennemis là quand même. Même si Ranmaru frappe fort. Ok,
Officier ennemi éliminé. Ton habileté est impressionnante. Officier ennemi éliminé. C'est bon, Nagali Deniwa ? Tu te sens mieux ? Il est à nous le bastion là. Regarde. Je pense pas que je vous montrerai les deux en fait dans cette bataille. Ça a peut-être changé 2-3 dialogues, mais globalement il risque de falloir la refaire en entier. Et je suis pas trop fan de l'idée. Dans tous les cas, je vous montrerai les deux voix suivantes, ça ne change rien. Mais je vous expliquerai un peu la sauce, hein. C'est juste un petit détail différent. Faut aider Toshi. Empêche l'ennemi de faire une percée, d'accord. Vous pensiez honnêtement pouvoir faire une percée. C'est Toshi que je vois. Ouais, c'est Toshi. Donc Naomasa. Il ne passera pas. Un guerrier exceptionnel. Officier ennemi éliminé. Impressionnant. C'est impressionnant de s'attaquer à une grande armée comme ça. Mais voyons ce que ça donne quand je m'en mêle. Keiji. T'aimes bien être dans le camp opposé de ton oncle, hein? Gros con. Le mec qui rejoint tout le temps des camps random, en fait. Ça l'amuse. Voilà pour tous ceux qui sont morts pour nous avoir menés ici. Cette balle mettra un terme à tout. Oh, Magoichi. Nous devons l'arrêter. Comme d'hab. On va se souvenir de celle-là. Officier ennemi éliminé. C'est maintenant, donc. Donc je fais une save. Et on verra si je refais ou pas. C'est le moment. Seigneur Keiji, pourquoi t'as tué un Omega ? Les guerriers mettent tout en jeu sur le champ de bataille. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Nobunaga, ton camp est sans défense. En gros, t'as pas de petit voyou, comment est-il entré? Petit voyou. Mais ça fait trop l'objectif là, ça suffit. Vous me demandez de faire tout à la fois là. Ne faiblissez pas, on peut encore gagner. Voilà, je vais au moins empêcher la percée. Officier ennemi éliminé. Ce qui serait bien, ce serait d'empêcher Magoichi de tirer. On s'est bien amusé. À plus tard. Mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de l'atteindre. Il est trop loin. Continuez l'assaut. Il est beaucoup trop loin. Ah, parce qu'en fait, là, pour atteindre, faut que je fasse le grand tour. Hein. Ça va pas le faire. J'aurai jamais le temps. Il va tirer. Sauf s'ils sont vraiment gentils au niveau du timer, mais bon.
même une fois en position, il tire pas immédiatement. Parce que là, il a l'air d'être en position. Là, il y a Masamune, mais je vais pas m'en occuper maintenant. Imbécile ! Ma conquête ne sera pas gâchée par des individus comme toi. Il est animé d'une forte volonté de conquête. Ne sois pas si pressé de mourir. Allez, ça va peut-être passer. In extremis, qui sait? Ça va sûrement être serré. Hein. Putain, le mousquet. C'est bon, j'ai atteint Magoichi. Je ne ménage pas les hommes. Si tu veux m'arrêter, tu peux essayer, mais... Si tu doutes autant que tu en as l'air, tu n'as pas une chance. Les balles n'hésitent pas, mon grand. La vengeance, sans hésitation. Ça va être carrément la merde. Je suis désolé, je fais une interim save et je pense pas que je referai la bataille parce que c'est carrément la violence. Ou alors faudra que je rush. Oh, j'en sais rien, peut-être que je rusherai. Guerrier exceptionnel. Parce que ouais, si je rush en novice, ça prendra pas tant de temps que ça après tout. Faut voir, ça vaudra peut-être le coup. Je sais pas, j'hésite. Je peux pas savoir à l'avance si ça vaut le coup, c'est ça le problème aussi. Et ça sera sûrement pour 2-3 dialogues. J'ai pu contrer Magwitch. Officier ennemi éliminé. Que feraient les femmes du monde sans moi? Continuez l'assaut. Continuez l'assaut. C'est bon Katsuye, j'arrive. Je vais m'occuper de ce petit connard de Masamune. Et Shigezane aussi. Récupérer un peu de vie quand même. Mon habileté est impressionnante. Parce que c'est pas que je suis dans une situation limite, mais un peu quand même. Merci. Oh, il y en avait là aussi. Ok. Masamune. Et ton stratège. Que je vois. Ah non, c'est Kagetsuna, pardon. Autant pour moi. C'est un autre qui est à quoi. Ah oui, Katsuye, il est pas bien. Effectivement. Ça va être peut-être un peu juste. Tiens, bon, Katsuye, regarde. J'élimine les mousquets, ça ira mieux déjà. On ne résistera pas! Oh!
enfoiré. Le mezzoudre à Anmaru est vraiment très efficace, hein. À chaque fois je tue pas mal d'ennemis avec. Alors gamin. Ah mais il y a des mousquets derrière. Et assez nombreux. Bien joué Katsuhi. Toi aussi t'as balancé un mezzou. Du jambon. Être animé d'une forte volonté de combattre. Peu importe ce qui nous attend. Peu importe ce qui nous attend. Je n'hésiterai plus. J'abattrai les ennemis du seigneur Nobunaga. Officier ennemi éliminé. Non! J'ai encore... Tanta! Ha! Adieu, Masamune. Nous ne serons pas loin derrière. En avant! Bon, et maintenant? Katsuhi, il tiendra jamais jusqu'au bout de toute façon. Impressionnant. Je sais pas quand est-ce que Mitsuhide va arriver. Dernier officier de Tokugawa. Et Mitsuhide n'est toujours pas là. Il s'est perdu en chemin ou quoi? Oh le bug! Bravo! Et allez, deux fois! Ok d'accord, comme ça. Nous ne serons pas loin derrière. En avant! Un guerrier exceptionnel. Ouais, toujours pas de Mitsuhide à l'horizon. Hein. Attendez, attendez.
D'accord. Si je comprends bien, en fait... Si je comprends bien, à partir du moment où on a la mission, où il nous montre la mission... Je peux vous expliquer maintenant un peu la sauce. Hein. En fait, les deux voies, ça va être soit on tue Mitsuhide, soit on tue Mitsuhide et Ieyasu. Et donc, en gros, ce qu'ils me disent... c'est de ne pas rentrer dans... Alors, si je veux tuer les deux, il faut pas que je rentre dans le camp de Ieyasu. Il faut que j'attende. En fait, normalement, Mitsuhide, il est censé apparaître pas longtemps après qu'on ait la mission tuer Ieyasu. Donc c'est bizarre, parce que ça fait longtemps que je l'ai la mission et que j'y ai pas été. Ah, c'est quand on s'approche du camp, tout simplement. Maintenant, Ranmaru, accomplis ton devoir. Seigneur Nobunaga. Peu importe, Ranmaru. Détruis l'ennemi. C'est ton destin. Mais mon ennemi... Mon ennemi est... Ieyasu ? Seigneur Mitsuhide ? Je dois te battre pour réaliser mes ambitions. Et seul l'enfer t'attend au-delà de ce point. Ok, de toute façon j'ai fait une interim save juste avant. Faut que je tue Ieyasu vite. Et après je fonce sur le camp principal allié et j'aide Nobunaga. J'ignorerai tout le reste parce que c'est trop dangereux là. Nobunaga, il est carrément dans la merde. Hors de question, Ieyasu. Il est où, putain? Vite! Ok, c'est ennemi éliminé. Connaître la défaite est un atout précieux. Voilà. Maintenant, je fonce sur Mitsuhide. Et en gros, de ce que j'ai compris... Nous ne serons pas loin derrière. En avant ! Si j'ai bien compris, hein. Au début, en fait, si on fonce avant d'avoir la mission... Alors tu sers toi aussi de bouclier à ton seigneur. L'ombre n'existe que pour servir son maître. Bon, je disais avant d'être interrompu... de ce que j'ai compris, si on fonce sur le camp principal des Tokugawa avant d'avoir reçu la mission de vaincre Ieyasu,
ça va nous empêcher de vaincre Ieyasu tout court. Parce qu'il va se faire... On va le sortir du champ de bataille, en fait. Un truc dans le genre. Pourquoi courez-vous vers la mort? Donc on va tester ça après, hein. Ce sera juste un rush, du coup. Seigneur Mitsuhide, pourquoi es-tu devenu mon ennemi? Tous ceux à qui tu as posé cette question ont répondu par les armes. N'est-ce pas, Ranmaru? Pas besoin de m'acheter nous. Moi aussi, je peux répondre avec ma lame. Ta rébellion a assez duré, Mitsuhide. Principalement sur lui, hein. J'essaie de raccourcir un peu la sauce. Putain, mais ce bug avec Ranmaru, c'est ignoble. Fatal ce coup d'épée. Je vais vous surpasser dans la bataille suivante. Ah non, encore. Sale chien. Soldats, repliez-vous. Il faut être fort pour survivre à cet âge. Bon. Donc je vais vous rusher la bataille dans l'autre situation. Hein. Protecteur. Cavalier. Volonté. Célérité. Kesagiri, bouclier, turbo. Allez, on se retrouve dans la bataille suivante. Ok, c'est parti pour le rush. Le tuerait ? Serais-je vraiment capable ? Du coup, je vous ai fait une mini-coupure. Le temps de passer par les menus. Donc le but, c'est de rusher sur le camp principal des Tokugawa. Voilà pour tous ceux qui sont morts pour nous avoir menés ici. Cette balle mettra un terme à tout. Mago Ichi essaiera de frapper le seigneur de loin. Nous devons l'arrêter. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Je dois te battre pour réaliser mes ambitions. La Mitsuhide est apparue, mais non. Je comprends pas. Mitsuhide, tu es en retard. Ou alors c'est maintenant, faut que je batte Mitsuhide maintenant. C'est-à-dire que là j'ai foncé, j'ai fait apparaître Mitsuhide. Nobunaga, ton camp est sans défense.
petit voyou. Comment est-il entré? Je vais essayer de battre Mitsuhide simplement maintenant. On va voir. Ouais, ça finit la bataille. Et du coup, Ieyasu s'enfuit. Ok, c'est comme ça que ça marche. Officier, j'avais pas tout à fait bien compris, éliminé. Mais c'était un peu l'idée quand même. Le seigneur Ieyasu s'est replié. Non, il s'est replié quand même avant. Le seigneur Nobunaga est plus puissant qu'on ne peut se l'imaginer. Alors il n'a pas craint la justice, et a même appris à l'accepter. Je n'ai pas pu lui pardonner. Seigneur Mitsuhide. Tu peux le faire. Tu peux le protéger. Ranmaru, il faut croire. Ce cri était juste ridicule, Ranmaru. Je suis désolé de te dire ça. Oh putain, mon dieu. Et ben, j'ai bien fait de vous le rusher du coup, parce que effectivement, il y a une petite différence. C'est que Mitsuhide meurt. Donc c'est quand même des conséquences assez importantes. Donc il y a une voie où Mitsuhide est mort et une voie où Mitsuhide est vivant. Choisissez celle de votre choix. En tout cas, on se retrouve pour la bataille suivante.